Bonjour et bienvenue, nous allons repartir une nouvelle fois dans le monde de Anthem, un monde qui se fait vide et commence à prendre énormément de temps à évoluer, mais dans tous les cas, cette fois, nous allons nous arrêter sur les nouvelles armes. Je vous rappelle qu'il y a plus de 30 nouveaux objets qui vont arriver avec le cataclysme, et 9 d'entre elles sont des armes. Donc replongeons-nous dans le PTS. Encore une fois, le serveur test public est uniquement disponible sur la version PC de Anthem et ne va jamais arriver sur console, donc pour les consoleux, désolé, mais prenez votre mal en patience. Il faut aussi prendre en compte que vous allez voir du contenu qui n'est pas encore sorti, donc de 1, faites attention aux spoilers, et surtout gardez en tête que ce contenu est toujours en phase de test et donc peut comporter différents problèmes, comme des glitches ou autres. Avant de commencer, je vous invite à aller faire un tour sur ma playlist d'Anthem si vous voulez en voir plus. Vous allez y trouver des vidéos sur les différents builds de Javelin, des news, les streams des développeurs et bien entendu les tests du PTS. Puis je rajouterai aussi les liens de mon Discord et de ma chaîne Twitch si vous êtes intéressé. Maintenant passons aux choses qui nous intéressent. Il y a donc 3 nouvelles catégories d'armes et chacune d'entre elles comporte 3 armes. Vous avez les Volt Caster, les Pulse Accelerator et les Blade Slinger. Ces armes sont uniquement disponibles en version magistrale et légendaire et peuvent aussi être récupérées uniquement chez le marchand du cataclysme. Elles bénéficient aussi d'un e-level plus élevé que la normale de plus 5. Je vais donc découper ça en 3 différentes vidéos pour les bienfaits de la simplicité, donc regardez la description pour les liens des 2 autres vidéos. Dans cette présentation, nous allons donc nous attarder sur les Blade Slinger. La description explique que les Blade Slinger utilisent des lourdes scies circulaires qui sont projetées avec une force dynamique. Nous avons le Razor Wing, le Rizas Reaper et le Shard Storm. Nous commencerons donc avec le Razor Wing. Le Razor Wing a la particularité de lancer une lourde scie circulaire qui va rebondir entre les cibles mais aussi sur les parois. Ses dégâts sont strictement physiques non élémentaires et l'arme peut aussi critiquer. Assez utile pour toucher des cibles qui sont hors de votre portée. Je vous laisse admirer. Pour le suivant, nous avons le Rizas Reaper. Le Rizas Reaper tire une lame de scie circulaire barbelée qui inflige des dégâts en continu et en AOE. Ces dégâts sont aussi strictement physiques non élémentaires et peuvent aussi critiquer. Le nombre de coups par lame semble être de 5 avant sa disparition. L'AOE est extrêmement petite mais peut être utile quand les ennemis sont groupés. Je vous laisse admirer. Thank you.
at least organize them. Yeah, scars will lead you there. Try filling up the pump, freelancer. Pour le dernier, nous avons le Shard Storm. Le Shard Storm lance une scie circulaire expérimentale en cristal à l'horizontale qui peut toucher énormément de cibles. Ses dégâts sont uniquement physiques non élémentaires, par contre il semblerait qu'il soit impossible de critiquer. Mais la très bonne chose, c'est que les projectiles peuvent passer à travers les ennemis qui vont être touchés plusieurs fois dû à la très grande zone de dégâts du projectile. Je vous laisse encore une fois admirer. Ceci va mettre fin à notre démonstration, je dois avouer que mon arme préférée des trois reste le Shard Storm, il est facile à utiliser et peut toucher énormément de cibles à la fois. Et surtout je dois avouer que les lames de cristal sont plutôt jolies à regarder quand elles passent à travers une rivière d'ennemis qui sont littéralement coupées en morceaux. Merci infiniment d'avoir regardé, tous les liens utiles de la chaîne sont dans la description et je vous souhaite bonne chance dans le monde de Anthem.